Ah bah il est matinal au moins ça va. Ah bah... Je sais pas où il est mais il est plus là. Hein. Ça rampe, il va mourir. Il y a du pain à prendre à la télé. Du pain? Ouais. Avec ou sans gluten? Mince, inventaire plein. Je vais faire le tri. Pourquoi j'ai une torche là sur moi là? Ok. Bonjour Sam. Je me suis levé tôt, j'ai arrosé les récoltes. Merci. Sans déconner. Tu es magnifique aujourd'hui. Les taches de boue sur tes vêtements ajoutent un charme supplémentaire. Mais c'est un mytho, c'était déjà arrosé. Peut-être à la serre. Mais quel mythomane. Pourquoi les cochons ils sont dehors? En plus il est blond quoi, mais quelle idée. Il a arrosé les récoltes, il se fout de la gueule du monde, y'a rien qui est fait, même pas les fleurs, rien. Quel mythomane. T'es jaloux de notre amour. Non, je suis jaloux de sa être aussi bête que lui. C'est que c'est encore possible. Hein. Ouais. Jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour être bête. Mais ça se cueille, non? Ah, je sais pas, j'ai arrosé. Petite carambole. Hein. Là, il a manqué. J'ai arrosé. Le truc qu'il a arrosé, c'est le lit. Génial. Le lit est mieux arrosé que le reste, quoi. Il est tellement bête qu'il est allé arroser l'aquarium. Pensez à faire un câlin aux animaux si vous les voyez. Hein. Oui, ok, ouais. Parfait. Ça évitera qu'ils nous aiment moins pendant que je fais des travaux. Moi j'aime les lapins. Mais ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Ah non. Si c'est parce ça. Que si t'arrives pas, si t'arrives pas à avoir un cœur, c'est qu'ils ont déjà été caressés. Mais ils vont détruire toutes mes récoltes. Ils vont tout bouffer. Non, c'est dans la tête. Mais non mais sans déconner. Mais ça part complètement à volo cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Je préfère ne pas savoir. Elle est en train de s'escaner, j'appelle ça le karma moi. On est en train de détruire tout mon champ. À tout casser, voilà, encore des sous par la fenêtre. Ça me dégoûte. Je me troue le machin pour faire des trucs et voilà comment on me remercie. Le machin. Bah, Rupert. C'est temporaire, c'est le temps des travaux. Ouais, toujours la faute des travaux. Ils ont bon dos les travaux, hein. J'avoue, va-t'en la vache là où je vais chercher un hachoir. Et après, je m'occupe de ça. Maru, c'est elle. Il sortit avec la tronche. Merci Ratus pour le follow, c'est gentil. Maru, on la trouve où? Alors, dites pas dans la ville, parce que la rue dans la ville, c'est très drôle. Ah, quelle blague, voilà, je l'ai faite. Tu la trouves en train de vendre une tronçonneuse à Yaki. J'allais dire, tu la trouves dans la ville, mais bon. Dans la ville. Mais non, elle est chez Léa. C'est qui Léa? Léa... Oh mon dieu, mais c'est pas possible, celle qui fait les travaux. Ah. Ouais, je vais passer par là dans ce cas. Nani, qui ça? Ok, je croise des cochons, mais aucun problème. Je n'ai Dieu vraiment. Que pour ça. Exactement. Elle a ouvert les portes de l'enfer, là. Il y a une vache à côté de moi, c'est normal. Non, c'est un démon, j'ai dit, c'est les vaches de l'enfer. Elles sont en train de tout picorer, elles vont détruire mes fleurs. Attends, les vaches picorent? Oui. Les vaches ont un bec? Oui. D'accord. Et les chèvres butinent. Les chèvres butinent. On va faire un nouveau livre pour les enfants. La vache butine est fait. Ah, oh, c'est compliqué. Ah oui, ça, m'en je te parle fais pas. Pas. Dire, hein. Je suis consterné. Tu es con. Non, je suis pas consterné, je suis consterné. Je suis pas dans mon coin, je viens de... Coin, coin. Mon dieu, mais c'est pas possible. Coin, coin. Je veux mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas encore? Enterrez-moi dans mon champ, au moins, je pourrais être... Dithargile, 5 minutes. Je pourrais être arrosé par Sam tous les matins, génial. Gros mytho. Tu veux dire ce mytho quoi? Mais oui, non mais c'est un gros mytho ce ça. Il fait des efforts. Non, il fait rien ouais, du tout. Ouais, c'est trop dit ça.
Il sait même pas ce qu'un arrosoir. Il fait des efforts pour s'intégrer. Bah, c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, ben on voit le résultat, hein. Mais ça fait 15 jours. T'imagines, ça fait que un jour. Ça fait que un jour et j'ai l'impression qu'il y a depuis 3 ans. Il me gonfle. On est dans la merde. Il me gonfle. On est dans la merde. Je l'aime. C'est normal. Ah bon. Toi, t'as même pas le droit de te marier, quoi. Non, en j'avoue. Justice. Harvey, il avait tellement plus la classe. En plus, il est médecin. C'est lui qui aurait ramené la thune. Oh ouais, c'était trop bien. Moi, je veux l'argent. Oh, l'argent. Alors, moi, le médecin, je suis très solidaire avec lui. Je le paye en l'applaudissant tous les soirs à 20h. C'est pas ça qui rapporte de l'argent. Non, mais... Voilà. On a de l'argent. Ça va, hein. Tout le monde va bien. Rémi, tout ça. Non, non. J'ai dit non. Alors j'accède à une demande qui a été faite un peu plus tôt, dans les épisodes précédents. Nino ? Non. Oui ? T'es où ? Ah. Non. Je suis en train de faire des travaux. Oui, mais où exactement ? Dans la ferme, on va pas faire là des travaux y a sur miel. La lune. Non, mais le non. Miel. Sur la lune. Oui. Tu cherches à me donner quelque chose, ça, mais ça capte bien t'aide. Quand même. Je te vois pas. Ah, t'es là. On peut plus. Tiens, cadeau. Qu'est-ce que c'est? Tu me demanderas de le déplacer. J'ai vu la construction de A silo. Oulala. T'es sûr de le mettre là? Rip l'orthographe. Je l'ai mis là. Rip. Écoute, quand il sera construit, on le déplacera. Rip la grammaire. Ouais, la traduction du jeu, des fois. Mais alors, rip. Oh mais j'en peux plus de voir ces animaux en liberté. Ça va bien se passer, c'est ça que pour ouf, quelques hein. jours. Ah ouais. Oh, ça me crispe, hein. Je suis retourné de la mine. Hein. Mais c'est que pour quelques pas. Jours. Ah non, non, Sam il est là pour la vie, hein, pas que pour quelques jours. Hein. Ouais, mais on peut pas le mettre dans la boîte à vendre. Mais non. Il essaye de nous rapporter quelque chose. Le problème c'est qu'il rapporte rien, justement. Il passe sa journée à regarder la poupée verte de pomme, là. C'est incroyable, j'en peux plus. Il me fatigue. Mais non, il fait le ménage dans la maison. Mais mon... oui, il fait autant le ménage qu'il a arrosé. C'est quoi. Ça. Et mon cul, c'est du poulet, d'accord. Tu feras gaffe. Essaie de le vendre. Y a qui? Tu feras gaffe, les cochons peuvent peut-être retourner ton champ pour trouver des truffes. Je vais les éclater. Je vais les castrer. Là, tu vois, ils sont tous en train de rentrer. Tu mets des trucs. Mets des trucs. Oui, calme-toi. Au pire, on revend tous les animaux, ça nous fait de l'argent. Hein. Au pire, on revend Sam. Calme-toi, Yann. On récupère l'argent du mariage. On est gagnant sur tous les points. Là. C'est vrai. En plus, on gagne de la place dans le lit. Dieu sait qu'on en manquait. Y'a pas une sécurité, genre dormez chez vous et moi chez moi. Mais allez, quel dommage. Bon alors mes chers concitoyens, j'ai une annonce à vous faire. Parce que t'es la mère du village. Semblerait. Elle a pris la place de Lewis. Autodécrété. Comment t'as fait pour supprimer un PNJ? Parce qu'au moins il y en a un, j'aimerais bien le supprimer. La forêt en bas à gauche est amenée à disparaître. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Okay. Il est recommandé pour votre bien de continuer à farmer des arbres. À farmer des arbres. Oui. À les couper, quoi. Les arbres que vous trouvez pour qu'ils repoussent. Ah, ça pousse pas beaucoup de la mine. J'avoue. Oui, j'imagine bien, oui. Mais ça ne te dispense pas de cette activité pour autant. Après, ça lag grave. Voilà. C'est quoi, ça lag? Moi, j'entends pas, ça lag. C'est le tunnel, ça.
Cake. Non. Demain, on déplace des bâtiments. D'accord. Je te préviens, ça va chier. Ok. Je te préviens, t'es pas prêt. Alors, je déplace là, non pas là, à gauche. Là, non. 3 mm au-dessus. Là, non. En dessous. Là, non. Là, nip, non, nap, nip, non. C'est exactement ça, j'ai pensé la même chose. Il est mort. Le soleil ? Non, c'est... Sam ? C'est ça à côté. Oh, on fait Sam la... est mort. Oh, le faux choix. Sam est mort. Ah non, mais si Sam meurt, je mets un mois de deuil national. Hein. Au moins. Ah oui. Carrément, un mois. Carrément. Punaise. T'imagines ? Il y en a qui ont de la chance. Hein. Nous, on n'aura même pas une journée. J'avoue. Et pourtant, on travaille toute la journée. Révolte. Révoltons-nous, les amis. Révolution. Ah non, les os, faut les garder. Tac. 83%. La géode, elle va là-dedans. J'ai quoi déposer ? Du charbon ? De la damanie ? T'inquiète pas, Yaki, ton supplice des animaux est fini. Ah, ah ça c'est une bonne nouvelle, ça. J'avoue. Ils reviennent demain pour de nouvelles aventures. Non. Non. J'ai dit non. De votre meilleur Si vous êtes encore réveillé et que vous ne savez pas quoi faire, il faut détruire la forêt. Il faut détruire la forêt. Quoi ? Vous avez bien entendu. Détruire la forêt ? Je vous ai dit qu'il allait y avoir du changement. La quête des eaux, il faut les déposer où ? Dans la boîte de dépôt, la réception du musée. D'accord, ok. Attends, mais pourquoi j'ai une noisette sur moi ? Je vais lui dire tourner de main. Hein. Ça manque encore. Noisette, automne. Il en manque 16. Demain c'est bon. Mais du coup on va pas pouvoir. Ah bah non, oublie, on va pas pouvoir démonter demain. Pourquoi ? Bah parce que t'as envoyé notre ami construire le silo. Oui. Donc on est coincé pour quelques jours là. Ah oui, oui en effet ouais. Donc ça veut dire qu'Yaki va devoir supporter des animaux quelques jours. Bah et on peut pas faire des trucs pour les enfermer là. Non, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant de voir Yaki râler. Ah c'est surtout ça oui. Je me disais aussi. Au pire, il y aura une truffe dans le champ quoi, au pire. Premier qui dit que la truffe c'est Sam, attention. Je l'ai pas dit. Et tu l'as pensé. Oh non, je dors pas dans ce lit. Ah moi je suis rentré chez moi. Ouais pareil. J'ai le chat en plus. C'est comment ça t'es rentré chez toi? Bah je suis chez moi là. Non non. Bah si, je suis avec le chat dans ma maison. Attends, mais qui c'est qui a une fleur sur la tête? C'est... Ah non c'est Yaki. Moi. J'ai cru que c'était Nino. Question, là, con. J'ai cru que c'était Nino. Nino qui se dupliquait, quoi. Alors, essaye par contre de pas vendre trop de pommes. Oui, parce qu'on en a besoin, quand même. C'est intéressant de faire des tartes. Pour le centre communal, on en a plus besoin. Mais par contre, pour des recettes, on peut en avoir besoin. Ah, je ne savais pas. Bon, mais je... Non, mais en gros, s'il nous en reste 10, c'est pas mal.